Bonjour à tous. En cette période de confinement, certains d'entre nous ont besoin de faire de la kiné respiratoire. Et vous allez voir que même sans son kiné favori, ça n'est pas bien compliqué. Respirer, c'est souffler, puis inspirer. On peut le faire avec les côtes et le thorax, mais on n'oublie pas de relâcher son ventre à l'inspiration pour laisser le diaphragme travailler. Si vous êtes encombré et que vous avez besoin d'expectorer, on commence par inspirer doucement par le nez et en soufflant, on ouvre la bouche et on expire comme si on voulait faire de la buée. Attention, ça va vous faire tousser. Un autre exercice que les enfants adorent, c'est de prendre un verre avec de l'eau et une paille et de faire des bulles dedans en soufflant. Enfin, il faut prendre soin de sa cage thoracique parce qu'elle nous aide à respirer. On peut faire des mouvements avec ce qu'on a sous la main. En inspirant, on monte un bâton. En soufflant, on le descend. Voilà, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour la suite. France Bleu, 100% solidaire.